Bonjour à tous. C'est la troisième fois que je vais au restaurant pour manger des sushis dans ce voyage. Je profite parce que je quitte bientôt le Japon. Cette fois, je suis venue avec ma petite sœur. Normalement, on prend le sushi sur le tapis roulant quand il passe devant notre table. Mais à cause de Covid, on doit passer commande. Il y a vraiment beaucoup de choix. Le prix dépend de la couleur de l'assiette. Ma sœur a donc écrit notre commande sur le papier. Le thé est gratuit. On met un sachet de thé dans une tasse et on ajoute soi-même de l'eau chaude. Notre première commande, engawa, une partie de la sole. Quand on mange des sushis, on fait comme ça. On met, côté poisson, un tout petit peu de sauce soja. On peut le manger en une bouchée. On mange avec des baguettes ou avec ses mains. Kanpachi, une céréole. Maki, concombre. Et des oursins. On adore. Kalama avec sauce prune. Yamaimo, manioc râpé avec œuf de caille cru. Kalama, œuf de caille et ciblette. Bas et pieds de calamar. On a commandé plein de choses différentes. Temaki, thon, pieuvre. Au Japon, il y a plusieurs sortes de restaurants de sushi. Il y a des restaurants très raffinés et d'autres avec un prix affiché très raisonnable où on est venu aujourd'hui. On voit que le cuisinier travaille en rythme. Et met de l'ambiance. On a aussi commandé un chaman mushi, flan salé. Ma sœur a mangé 6 assiettes et moi 12. Oh là là, j'ai bien mangé. Ça nous a coûté un peu moins de 30 euros. À bientôt!